Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 41e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM and Me Within. 41e, c'est incroyable. Tellement d'épisodes, oh là là. Alors, donc du coup, nouvelle couverture. Armure psionique, c'est fait. Je vais juste voir à la production des armures. Armure. Bonus de santé 6. Du santé 10, ouais, non, c'est quand même 8. Ah, c'est pas mal, sauf que ouais, le vol ne fournit pas un bonus de position élevée, mais c'est tout nul. Alors, Argentine F, ah, c'est vrai qu'il y a plein de pays retirés. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre autant de membres. Ce projet a besoin de leur soutien. Excusez-moi, il y a eu un bug. Alors, ouais, je sais. Il y a eu plein de problèmes. N'oubliez pas, nous vous observons. Ok. On va envoyer notre super vaisseau qui va exploser. Tu m'étonnes. Ah zut, j'ai pas vu. J'ai pas vu ce qu'il y avait. Retour au briefing. Donne quoi? Relais hyper-onde, tête de l'équipage 7, éthéré, Goliath d'élite, Goliath. Ouais, ça va. On va quand même enlever notre lieutenant à la noix là. Non, pas de carapace, protection en Kevlar, tu vas me rendre la titan. Voilà, donc on va récupérer Ouija. Et on va... Où est notre sniper? Veto. Il lui remet la titan. Scope, c'est bon. On a un grenadier, un commando, deux commandos, un sniper et un sapeur. Et notre CEM. On est bon. On est très très bon et on va aller s'occuper de ce petit ovni. Le prochain site de mission est au Royaume-Uni. Le vaisseau extraterrestre s'est écrasé. Et vu comment on l'a bien déchiré, ça devrait aller. Ici Rapace. Aucun contact hostile à proximité du site du crash. Strike One est prêt à sécuriser le vaisseau. Bien reçu, Rapace. Allez-y, Strike One. Essayez de vous approcher. On va faire plus qu'essayer. On va s'approcher. On va tout déchirer. Ça roule. On a quand même une super équipe maintenant. Ça devrait aller sans trop de problèmes. D'accord. Je vais vers la position. Alors, on va avancer. J'ai vu qu'on avait 340 de mêlée. C'est génial, sauf que ça me sert un peu à rien en fait. Globalement, les améliorations, elles coûtent quand même super cher, quoi. Bon alors, de Goliath d'élite. 29-49. On va se mettre en couverture. Bien, commandant. J'ai le matos en visuel. Et merde. Ça c'est un peu problématique. Surveillez les côtés. Alors, on va essayer le 53%. Le problème c'est que là je suis encore au machin laser. Je suis en chemin. Est-ce que le lance-grenade va jusque là-bas? Ah, il tapera pas sur les 39-19. Si je me le touche. Ouais non, c'était trop beau. Tir manqué. Trop loin. Alors là, c'est pas forcément trop loin. Alors, attendez, je vois pas si je les touche. Ah, j'en touche soit un soit l'autre, pas les deux. Du coup on va se rapprocher. Je le vois à combien? 35%. Hey, hey. Super warrior mon grenadier.
élan combatif pour tout le monde. 7%. Ouais, 7% c'est ridicule. Vigilance. Tout de suite. 67 c'est beaucoup mieux. Par contre, faudrait toucher. Je suis en route. Voilà, ce qui m'embête, c'est les Goliaths de droite. Ils se replient. En avant. Non, ils se replient pas, ils attaquent. Ok, donc là il y a un... J'ai un gros problème parce qu'il est en mode tir de suppression. C'est bon, j'ai rien. Ah c'est ça, il peut pas taper parce qu'il est en... Il est en mode cible de suppression. Non, attendez. On va essayer de toucher tout sauf... Sauf notre truc allié. Voilà, à la limite, c'est pas grave. Hein. Commandant, il serait préférable d'essayer de récupérer ces conteneurs au lieu. Je sais. Alors, fusil de précision plasmique, on va se mettre là, histoire qu'on puisse voir un peu tout. Alors toi, éliminé. Tu peux retirer, c'est très bien. Le 97%. Éliminé. Tu peux pas tirer trois fois. Bon, c'est dommage. Allez, 60, tu me le fais. Non! Alors. Je balance la grenade. Si tu pouvais arrêter de tirer, ce serait cool. Je commence à m'énerver. 45, c'est tout. Pas vrai, l'ennemi respire encore. Ok, fusillade. 5 sur 5. À faire boum. Bam. Les ennemis perdent du terrain. Je crois quand même super cher, hein. Ils arrêtent pas de faire des coups critiques. Je suis en route. 65. Eh oh. 65, je suis à côté. C'est quoi ce... L'autre est à 50, il touche quoi. Bon alors, là on va se régénérer un peu. Il ne doit plus y avoir énormément de choses, mais quand même, on va se méfier, on va se soigner, on va tout faire correctement. On va se méfier. Eh merde. Surveillez vos plans, ils se déplacent. Oh là là. Vigilance. Ça m'embête, mais il faut leur faire avec ça. Voilà, évidemment, ça m'embêtait pour ça. ...77, mais... Comment ça se fait que tu vois... ...aussi peu ? Bon, genre, pourtant, elle est genre super surélevée.
J'ai amélioré mon scope et tout. Je vois que dalle. Voilà. Reste l'éthéré. Ah ah. A renvoyer l'attaque. What? 3. Ok, c'est n'importe quoi. Alors, on va faire ça pour éliminer tous les obstacles visuels. Par contre, voilà, on va peut-être se mettre en vigilance. Contrôle mental sur mon gros Koubiak, mais c'est pas censé être possible. Hein. Ok, gros problème. Fusillade. Gâchette rapide, 47, ridicule. En plus, il renvoie l'attaque. Bon, il renvoie pour 1. C'est pas non plus énorme, mais... Là, tu vas pas me la renvoyer, cette attaque. Dans ta face. Éliminé. C'est fini? Tous les objectifs ouais. Ont été accomplis. Pff, oh là là. L'éthéré de la fin là. Ouh. Ça a été solide. Excellent travail, commandant. Bon bah allons-y. Ça y est, le psy l'avait terminé. Alors là du coup... Il faut tester les pouvoirs soniques des soldats. Les ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. On va essayer notre sniper. C'est 10 jours. Je vous préviendrai dès que nous aurons un rapport complet. D'après nos recherches, la volonté des sujets est étroitement liée à leur potentiel psionique. Nous espérons trouver au moins un candidat remplissant les critères parmi nos troupes. Bon, alors j'en mets 3, hein. Ça va être la galère pour des missions. Alors, sale golope. C'est indispensable de la flotte en dessous là? Ouais, et... Là, je croise les doigts. On reçoit une transmission du conseil. Je l'affiche tout de suite. Un soldat de génie dans la finalise comme s'est fait attaquer alors qu'il enquêtait sur une source d'eau contaminée par les extraterrestres. Escorte de la cible. Là, le truc... C'est que pas maintenant. Je veux finir les tests. Yes. Non psionique. Oh non. Nous devons poursuivre les évaluations sur ceux qui restent. Là je flippe bien en fait parce qu'il faut qu'il y en ait un dans mon dans ma méga épique. Hein. L'équipe. Il reste un commando quoi. Le
le dispositif extraterrestre ne réagira à aucun. C'est super long les tests psioniques. Voilà, évidemment, je suis obligé d'y aller avec une équipe réduite. Ce qui a tendance à m'horripiler. Allez, on prend une titan. T'es quoi, t'es un grenadier? Zut. On n'a pas oublié de rendre les affaires une fois que tu les auras utilisées. Toi, t'es un sapeur. Ok, c'est plutôt pas mal. On n'a pas énormément de puissance de feu, mais c'est pas très grave. Déployez-vous, Strike One. Allez, c'est parti. On vous envoie au Mexique pour cette nouvelle opération. Plusieurs sources nous signalent que des extraterrestres ont été repérés dans une grande ville. S'ils s'en prennent aux civils, ça va être la panique. Je sais. C'est pour ça qu'on va s'occuper des extraterrestres. Ah, ils ont tous la classe dans leurs... avec leurs armes. On approche du site d'attaque. Strike One est prêt à partir. On attend votre signal. Affirmatif, rapace. Permission d'attaquer les cibles hostiles. Mais attention, vous tirez, il y a des civils. Je répète, il y a des civils dans la zone d'opération. Ok, déjà... deux planeurs lourds. Problème avec le réticule de visée. 47, c'est pas énorme. Ouais, c'était pas suffisant surtout. Oh, tu vois plus. Ça roule. 50-50. Joli. Je rejoins la position. 30, c'est tout. J'ai raté mon coup. Allez, là, tu me le tues. Joli. Ok, il se casse. Donc on sait qu'il a l'air d'avoir un sacré foutoir. Ouais. Vigilance pour lui. Ah oh, zut, je vois rien. T'es mon commando. On va s'amuser. Ok, je bouge. On va faire tomber son... sa vigilance. Deux tiers, il y a les moyens que tu me le double kill. Allez. Ça c'est fait. Plus de cyberdisque, c'est déjà pas mal. Toi, t'élimines. Ouais, on gère bien. En plus, il y a cible facile. Ah ah. Si, c'est pas mal. J'y vais. Ennemi repéré. Oh, ok, non, ça c'est vraiment pas cool. Tu vises qui? Le drone. Bon, au moins c'est fait. Ça fait 20 minutes. Je vais juste finir ce tour, voir où je peux aller. Et là, tu le vois pas en fait. Le tir n'a
fait mouche. Oh là 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 là. Sectopode, sectopode, mes deux. Genre bien à découvert en plus. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, ça va. Waouh, wow, la galère, la galère. Je vais arrêter là pour laisser un peu de suspense sur le reste de la mission. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Heureusement qu'il n'y a plus de soucoupe volante sur la gauche. Reste le sectopode, ça va être vraiment la galère comme d'hab. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à la prochaine. Salut à tous !